Eh ben bonjour, bonjour aux amis de la galerne. Vous allez pouvoir revenir à la librairie, c'est chouette. Moi, je ne peux pas y signer, c'est dommage. Malgré tout, je vais vous présenter. Vous avez peut-être vu arriver l'année dernière le premier volume de mon adaptation du Vagabond des Étoiles. Et là, cette année, j'ai la suite et fin sur le deuxième volume. Malheureusement, donc je ne pourrai pas le dédicacer, mais en tout cas, il est présent en boutique. Il y aura aussi une présence en exposition à la bibliothèque Salacrou. Voilà, ce deuxième volume, bah, c'est du Jack London encore. Hein. Vous avez peut-être connu Le Loup des Mers. J'ai prolongé avec cet écrivain que j'adore. Et là, c'est un roman assez atypique de sa carrière, son dernier grand roman d'un point de vue qualité. Grande difficulté pour moi d'adaptation, grande histoire, très profonde. On n'y trouve pas les aventures habituelles de London dans la nature, mais c'est une histoire carcérale où on va voyager malgré tout dans toute l'histoire de l'humanité. Il a fallu pour ça que je me documente à fond sur tout un tas de séquences, puisque j'ai des séquences de western, j'ai des séquences de préhistoire, j'ai évidemment les séquences prison, quelques épisodes de navigation, j'ai l'histoire romaine. Enfin bon, c'est un livre du grand tout, une grande histoire qui a fait le tour de questionnements autour de la présence de l'homme dans l'histoire du monde.